Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis dans Iron Meat, un jeu qui fleure bon les années 80-90. On se croirait tellement revenu sur Nintendo, mais dans nos rêves, c'était jamais aussi beau. Ah, les pixels, oui, le titre est sublime. Enfin bon, bref, je sens le 11 septembre, si je ne m'abuse. Donc on l'a en exclusivité mondiale, bien sûr. Vous aurez cette vidéo normalement le jeudi septembre, je suis 5. Oh, je sais déjà plus, on est à quelque chose. Ah bah je sais plus. Oui c'est ça, jeudi 5 évidemment, jeudi soir, le soir de cette vidéo. Il y aura le Z-Event qui commence avec un concert magnifique. Voilà, vous savez, ça me tient très à cœur. Allez-y, le Z-Event, c'est bon, mangez-en. Normalement, vendredi, il va y avoir dans l'onglet communauté de la chaîne et dans ce... JDG, voilà le truc pour donner des sous. Faut donner des sous, c'est voilà. Et merci à eux de m'avoir envoyé la clé, pas aux Z-Event évidemment, mais au producteur du jeu qui m'a envoyé une clé très très en avance. J'adore ce genre de jeu, j'adore me replonger un petit peu dans le passé. Et c'est parti, pardon, je mélange un petit peu tout. Alors, moi, ce jeu me fait beaucoup penser à Contra, à Robotector, ce genre de choses. J'avais aussi Commando, je crois, il y avait un jeu comme ça. Et ça, c'était vraiment les jeux de mon enfance. Sélectionner un niveau, j'ai pas d'autre niveau. Ah, attends. Ah, je peux changer la couleur. Je peux changer la couleur du casque. Ah, moi, je veux le bleu. Ah, je veux le bleu. Sélectionner le niveau dans la forêt. Facile, normal. On va essayer en normal. Je suis pas sûr d'avoir le skill de ma jeunesse. J'avais pas autant de jeux à tester quand j'étais jeune. Cratère de Tion basse lunaire. Ah, du coup, ça lui a donné des pouvoirs. Ah là là. Aidez-nous. Oh, le tout. Ah, j'ai un petit... D'accord, donc une belle saloperie s'est enfuie. Ils ont affecté tout le monde. Et ils sont frappés dans un bruit. Et il a ouvert la porte des ténèbres. Oh, merci, c'est très aimable, hein. Ouh, oh là là, je me trouve... Ah, évidemment. Je saute. Ok. Oh, il a été blessé. Ah non! Oh, je me suis pas tourné! Bah oui, mais non, mais je suis un petit peu con, je suis désolé. Oh! Juste la seule et unique chose, évidemment, c'est le son, parce que les FX m'éclatent les oreilles. On se calmait juste un tout petit peu au niveau de ça, mais et sinon la vibe, il m'a buté. La seule chose qui était incroyablement frustrante dans ce genre de jeu, chers amis, c'est le fait de, voilà, les vies. Les vies, t'avais 3 vies, là j'en ai 12. OMG, j'en ai 12, quoi. Ça n'existait pas à l'époque. T'avais 3 vies et c'était marre. Ah,
Ah oui, d'accord, et lui il fait un truc par terre. Ah oui, bah il faut, je le dis en plus. Hein, là. Oh, mais il m'a tiré dessus, il m'a tiré dessus. C'est fini. Alors, moi j'ai une théorie parce que dans le temps, dans un temps un peu lointain, j'étais bien plus performant parce que bah, en fait je jouais qu'à ça. Je jouais qu'à ça. Imaginez-vous un commando. J'avais que. J'avais 4-5 jeux, pas plus. Donc forcément que je jouais. Je mettais pas seulement 2 ou 3 heures. Je jouais à ça, mais tout le temps, tout le temps. Ah, enfin, j'ai touché. Ah oh, il lui fallu me mettre ici. La vibe est totale. Oh bah la bouche main m'a fait du mal. Attention, ça explose. T'as une étoile là-haut, toi? Moi, j'ai pas d'étoile, moi. Ah oui, super. Oh, le piu-piu. Attention, alors tu te dis, ouais, j'ai un piu-piu de dingue, là. Mais voilà. Voilà ce qui arrive quand t'es trop... Wouah. Oh, j'ai pas vu. Il tape au niveau des pieds. Tape au niveau des pieds, c'est honteux. J'ai 3 vies. Il me reste 3 vies. Ah, tabalabalaba. Oui, d'accord. Oh. Reste 3 vies. Là aussi me tire dessus. Oh là là. Ah mais il y a tout qui essaye de te buter d'ici. D'accord, là c'est des grenades. Ah bah oui, il est par terre. Mais qu'est-ce qu'il m'a buté? Alors dans ce genre de jeu, évidemment, tu recommences. Tu recommences parce que il faut presque apprendre le pattern. Il faut presque apprendre tout le niveau par cœur avant de pouvoir y jouer correctement. Ouais, tu vois, c'est comme ça qu'on bute le machin. 0 vie. Il me reste 0 vie. Oh, j'ai failli me faire toucher. La vibe est totale. Barrez-vous. T'es un méchant. En fait, faudrait avancer avec parcimonie. Ouais, tu vois, j'ai trop avancé. Oh, c'est honteux. Est-ce que je recommence tout le niveau? Oh, je recommence tout le niveau. Ok. Bon, c'est pas trop le jeu. Le jeu avec lequel tu fais une vidéo, quoi, tu vois, c'est. Parce que je vais forcément mourir. Oh. Mais merde, c'est pas vrai. Oh, non, j'étais bien. Ok, ah, j'ai le pupio à nouveau. Avance avec parcimonie. Oh non, mais il est nul ce flingue en fait.
Donc là, là c'est le... Ouais. Ouais, forcément, forcément. Forcément que j'ai... Oh, j'ai mouru deux fois. Bon, j'ai un poil plus de vie que la dernière fois. Là, en face, il faut le buter. Oh non, j'aimais bien cette arme. Non, je pensais que t'étais mort, enfoiré. Je pensais qu'il était mort. Oh putain, c'est dommage. On avait plein de vie. On avait plein de vie, c'est pas grave. Ah oui, ça j'aime bien. Derrière la surprise. La surprise par derrière. Ah, je peux péter les lumières, t'as vu? On dirait les engins de Stranger Things. Enfin, les engins, les bestiaux. Oh, ça fait piou-piou, hein. Attends, arrête de tirer sur cette saleté. Elle va me péter à la gueule. Ah, et merde. Bravo. Hop là, on s'arrête. Excusez-moi, c'est mon écran qui est en train de s'éteindre. Parce que ce serait pas drôle sinon. Ok. D'accord, là faut pas y aller quoi en fait. Putain, une petite mine, qu'est-ce que ça? Non mais j'y vais prendre dans le... Comment je fais pour... D'accord, faut sauter au-dessus. Faut sauter par-dessus. Oh là là, bah bravo encore lui. Je sais pas si je peux passer derrière. Se crash. Oh non, ça c'est pas bien, la cadence de tir est mauvaise. Ça doit faire mal, mais la cadence de tir est nulle. Tiens, qu'est-ce que je disais? Oh, il me reste deux vies. Oh, la cadence de tir est mauvaise aussi. Fais ton gros toi. Oh. J'y arriverai jamais. Hein. Oh, oh, oh. Voilà. Je crois que j'y arriverai jamais, évidemment. Ouais, évidemment. Wow, putain. Ok, chers amis, on a 5 vies.
pas si je vais réussir à les garder. Ou si je vais mourir de façon bête. Non, ça ne fait pas. On a pas genre une vie tous les. Normalement, voilà, ça arrive. Oh oui. C'est un gros, hein. C'est un très très gros, et en fait, il va falloir. Il va falloir jouer souvent comme ça. Hein. J'y arriverai jamais. Je sais même pas sur quoi je tire. Ok. Meurs, saloperie, meurs. J'ai plus qu'une vie, c'est un enfer. Je peux tout péter, hein, hein. Ah, ça c'est marrant, ça. Il est trop bien le jeu. Le jeu est trop bien. Il y a une vibe 90s qui est absolument délicieuse. On est entre Commando et Metal Slug. Franchement, c'est un régal. C'est ce qu'il faut faire. Il faut recommencer le niveau, parce que si tu connais pas le pattern du boss, tu ne te sortiras pas la première fois, c'est pas possible. Donc voilà, bah écoutez chers amis, c'est un très très joli petit jeu. Il arrive bientôt le 11 septembre. On a une exclusivité, peut-être pendant un live, on fera un petit peu la suite de ce délicieux petit jeu. Voilà, en attendant, gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr, on va se laisser là. Ouais, j'imagine. Ah, t'as des niveaux horizontaux aussi. Mais bon, je vous cache pas, je vais arrêter là. Malheureusement, la vie fait que je ne peux pas continuer. Enfin bon, bref. Allez, gros pouce bleu, gros abonnement, gros bisous bien sûr. Et puis bah, peut-être à la prochaine pour de nouvelles missions sur ce jeu. Des bisous.